Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique, ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plans d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité. Et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même. Mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah, et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Salut, bonjour, bonsoir, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue à la base et qui me fait extrêmement plaisir puisqu'en fait, je suis enfin reconnu. Hein. Non, c'est faux. Tout simplement, il y a quelques semaines en arrière, il y a une entreprise espagnole qui s'appelle Mi Planta Box qui m'a contacté pour que j'essaye leur concept d'entreprise en fait. Et en fait au début j'étais un petit peu méfiant parce que je suis quelqu'un de très flippé. Et au final je me suis détendu et 3 jours après, voilà le colis. C'est une entreprise espagnole du coup et le concept c'est d'envoyer une boîte, une box tous les 2 mois qui contiennent des plantes. Alors les plantes varient à chaque fois, ce qui permet d'avoir des nouvelles plantes tous les 2 mois. C'est quand même vachement bien. Pour la première boîte, soit vous êtes 100% satisfait, soit vous êtes 100% remboursé. C'est quand même vachement bien, quand même. On va pas se le cacher, ah, c'est vraiment top. Logiquement, dans la boîte, il y a un magazine pour les soins de chaque plante et un QR code. La box a une valeur de 55€, mais ils la vendent 34,90€. Et avec, vu que je suis un influenceur maintenant, et avec le code PlanteLoverFR10, vous aurez droit à 10% de réduction. Si c'est pas génial ça, allez, on l'ouvre ensemble. Je suis trop ému. C'est même pas une entreprise française qui m'a contacté, les gars, réveillez-vous. Hein. Il y a aussi des accessoires. Oh, c'est trop bien. Oh, je suis trop ému. Alors, premier petit accessoire, un testeur de sol. C'est génial. J'en ai jamais utilisé, j'en ai jamais eu en fait. Pour le pH, oh mais c'est génial. Ça va me sauver des plantes, je pense. Oh, trop bien. Voilà. Testeur de sol, génial. Top. Il peut y avoir 3 à 5 plantes, je sais pas si je l'avais dit. Ça varie bien évidemment. Ah, trop bien. Alors c'est quand même bien emballé, c'est du carton, c'est génial. C'est au top du hip-hop. Faut être délicat, je suis pas du tout délicat. J'ai déjà envie d'arracher le carton en fait. Bon, vas-y, je déchire le carton. Ils m'ont bien cerné en plus. Ou alors, je sais pas si c'est dû au hasard. Syngonium. Pink Splash. Oh, il est tellement plus beau que le mien actuellement. Je vais pouvoir compléter le pot et mon pot fera beaucoup moins pitié. C'est génial. Oui, tu vas commencer à voir, c'est bel et bien un philodendron. Entre Angélique et Mi Planta Box, ben je pense que j'aurais pas le choix que de m'y mettre. Hein. C'est quand même bien protégé. Hein.
Oui, je mets 8 jours à déballer, alors j'ai pas l'habitude, Ça va m'attendre de pas y arriver. Bon, un philodendrome, trop bien. Bon, ils m'ont à moitié bien servi. Il manque plus qu'un alocasia. Attendez, parce que j'ai une troisième plante à déballer. On n'est pas à l'abri. Alors c'est bien, bien, bien emballé. Ah putain, j'ai pas pris de ciseaux, Je reviens, je prends un ciseau, ça va m'énerver. Donc enfin, j'ai réussi à le déballer après 8 jours et demi. Et la troisième. Une plante que je n'avais absolument pas. On va tenter cette culture, ma foi. Mais qu'est-ce que cela peut bien être? Oh là là! Je n'ai aucune patience, je vais me mettre à hurler. C'est un hoya! J'en ai jamais eu. Putain, c'est dingue, pourquoi j'ai jamais eu de hoya? Ce que je n'aime pas forcément, c'est les hoya. Je regarde une vidéo en plus, je disais que j'en voulais pas forcément. Oui, je me vois en train de jeter le. Tout ça là. Donc ça s'ouvre. Donc au total, j'ai eu 3 plantes. Et c'est pas des bébés en plus, hein. Enfin, c'est vraiment des plantes bien racinées, quoi, tu vois. C'est trop bien. Et c'est toujours, que je te répète, des plantes aléatoires. Donc, logiquement, t'es pas censé avoir 2 fois la même. Alors, il y a plusieurs formules aussi. Alors, il y a le bimestriel sans engagement. Alors, c'est toujours sans engagement. C'est très important de le préciser. Le bimestriel, c'est à 34,90€. Une plante tous les 2 mois. Il y a le semestriel aussi, sans engagement. Tu le payes 124,83€ pour une valeur de 165€. Renouvellement automatique, frais de port inclus. Pour la formule bimestrielle, les frais de port ne sont pas inclus. Si jamais. Pour la semestrielle, elle est inclus. Livraison suivie, la base. On est jeudi. Moi, il a envoyé le lundi 4 septembre. J'aurais dû la recevoir hier, mais les livreurs, je pense que c'était pas des flèches. Donc, ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Hein. Au final, je l'ai eu aujourd'hui. C'était très rapide. Je sais qu'ils peuvent envoyer de l'engrais. Je pense qu'ils peuvent envoyer aussi des petits grattoirs, des petits plantoirs, des choses comme ça. N'hésite pas à, toi, écrire tes questions en commentaire. Comme ça, j'essaierai de moi de me renseigner et de te répondre au plus rapidement. Je te mets leur Instagram ici ou là. Je ne sais jamais de quel côté c'est. Ça fait 2 ans que je fais des vidéos, je ne le sais jamais. Et je remercie donc du coup énormément MiPlantaBox déjà de m'avoir fait confiance. Et c'était trop bien. Franchement, j'aime trop. Donc, n'hésitez pas les entreprises françaises à faire appel à moi. Ça me fera toujours extrêmement plaisir. C'est trop bien, j'aime trop. Je sais qu'il peut y avoir des plantes grasses aussi. J'ai vu un peu des influenceurs espagnols qui en faisaient la promotion. Là quoi, 3 plantes et un soil tester pour le pH. C'est ça, c'est pour le pH. Et pas que. Ça fait la luminosité, le pH, l'humidité du sol, et la température du sol. Eh mais les gars, c'est excellent. J'aime trop. Donc du coup, merci mille fois MiPlantaBox. N'oublie pas qu'avec mon code promotion, avec mon code promo, Plantlofer FR10, tu as 10% de réduction. Donc ça fera toujours plaisir d'avoir un petit peu de réduc, n'est-ce pas? Ben moi je vais te laisser avec la vidéo. À de suite quoi. Salut, coucou, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu vas bien. Il est quelle heure exactement? Attends que je te dise. 9h37. Ça fait, sans te mentir, 10 minutes que je suis rentré de vacances. J'étais en Sardaigne avec mon chéri. Soit dit en passant, c'était trop beau, c'était trop bien. Des petits villages trop jolis avec plein de petites ruelles, avec plein de couleurs sur les façades, du bleu, du jaune, du orange, du vert et tout. Et plein de plantes, bref. On en parlera après. Et là, ça fait 10 minutes que je suis rentré. J'ai ouvert la porte, j'ai posé les valises. Directement, j'ai couru dehors voir si tout allait bien.
Et à part 2-3 pertes qui avaient déjà commencé à péter un câble avant que je parte, mais du coup la nature a continué à les achever. Mais c'est pas grave. Donc déjà je tenais à remercier Isabelle, donc on dit tous merci à Isabelle. Merci Isabelle pour être venue arroser les plantes, voir si tout allait bien, etc. Donc dans les commentaires, je veux que tout le monde écrive merci Isabelle. Je compte sur toi. Et j'ai fait un bref, rapide état des lieux. Et en fait, tout va bien. Tout va bien. Alors, bien évidemment, la monstera, elle a continué. Enfin, sa brûlure s'est accentuée, ça c'est normal. Le bégonia, lui, il avait commencé aussi à brûler. Mais en fait, avant mon départ, il y avait déjà une canicule de ouf, de fifou, avec du 40 degrés, quoi. C'était génial. Et j'ai peut-être manqué un ou deux arrosages. Oui, je ne suis pas très, très régulier. Du coup, ce qui a fait que ben, les plantes étaient un petit peu plus fragiles. Et ben, le soleil, du coup, il a tapé fort, quoi. Et la plante, elle s'est mise en PLS et elle a brûlé. Donc notamment les 4 feuilles de la monstera en bas. Ça, là, ça, j'ai les boules. Et les feuilles du bégonia, mais à la rigueur, ça, je pourrais les enlever, c'est pas un problème. Mais sinon, la monstera, elle a fait une feuille. Le syngonium, il a fait une feuille. Tout le monde là-bas va bien, personne n'est mort. C'est tout ce que je voulais. J'ai pas regardé dans le détail encore. Parce que je viens d'arriver, tout simplement. Donc, on va peut-être faire le détail ensemble. Voilà. Comme ça, au passage, je pourrais te dire comment j'ai préparé les vacances pour les plantes. Si tu me suis sur Instagram, si ce n'est pas le cas, bien évidemment, je t'invite à nous rejoindre. Tu as pu voir que je m'intéressais un petit peu aux aïoniums. Et en fait, à chaque fois que je suis en vacances, tout le temps, j'ai envie de tchourer des aïoniums. Ça a été notamment le cas pour celui qui a été volé en Corse. Oh merde, il s'est dépoté. Eh bien, Kiki, eh bien, Roger, faut pas... Aïe ! C'est tombé dans le café, là ? Putain, j'ai du terreau qui est tombé dans le café. Non mais. Tiens, Roger, tu vas tenir. Tu veux pas tenir? Eh bien vas-y, casse-toi la gueule. Oh, je fais comment pour enlever ça? Oh, c'est brûlant en plus. Ça a été notamment du coup le cas pour lui, pour cet aïonium là. J'ai voulu un morceau, il était petit comme ça. C'était en Corse, en même temps que l'ostrocylindropuntia qui a, je vois, ma foi, doublé de taille pendant mon absence. Petit message subliminal, je pense. En fait, c'est souvent les mêmes paysages qu'on va voir, donc c'est surtout très aride, c'est surtout, tu vois, tout ce qui est Crète, Palma de Mallorca, tout, Corse, tout ça, c'est vraiment les mêmes paysages à peu près, tu vois. Et du coup, c'est les mêmes plantes que les gens ont chez eux, grosso modo. C'est beaucoup d'arbres de jade, beaucoup de lantana, beaucoup d'aéonium. Et les aéoniums, je ne sais pas ce qui me prend en ce moment, mais j'ai la folie furieuse des aéoniums. Et autant te dire que quand tu es dans un pays, entre guillemets, où le climat est assez méditerranéen, ben, y en a plein qui ont des aéoniums. Bien que j'ai galéré à trouver un aéonium noir, mais comme tu le devines dans la phrase, j'ai réussi à en trouver un. Alors, petit aparté, quand j'ai dit dans ma story sur Insta que je voulais voler un petit aéonium, vous avez été quand même assez nombreux, sans vouloir me la péter, à me dire « Ouais, mais tu sais, ça se fait pas, imagine... Cette plante, ça vient d'un des parents de la personne qui habite là et le parent s'est foulé décédé. » Et c'est vrai que j'ai jamais pensé à ce schéma-là. Et ça m'a un petit peu saoulé parce que vous avez clairement raison. Et je me suis dit, moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Donc, je n'ai pas volé l'aéonium que j'avais mis en photo. Mais le lendemain, je crois que c'était le lendemain, en visitant une ville, bien évidemment, j'avais toujours les yeux rivés sur les aéoniums. Des choses que je pouvais prélever et je sais très bien pertinemment que je vais réussir à les faire perdurer chez moi. Et j'en ai vu un près d'une église en plus, donc c'est sûr que je vais aller en enfer. J'ai signé mon arrêt de mort, je pense. Et pour ma défense, donc cet aéonium là. Voilà. Donc cet aéonium là, il n'était à personne. Je m'explique. Donc c'était sur une petite place. T'avais genre. Oh putain, je vais devoir mimer une place maintenant, c'est n'importe quoi. Genre bon, là t'avais l'église, là t'avais la place, et tu sais, t'avais une route qui montait, donc tu sais, t'avais un petit muret qui était formé par la route contre la place, et là il y avait des pots. Mais du coup, c'était pas près d'une maison, tu vois, donc je sais pas qui c'était. Et en plus, la plante était en PLS, vraiment elle était mal entretenue. Alors ça peut être une excuse, même si ça se fait pas, mais du coup j'ai prélevé un morceau. Parce que ça fait, à chaque fois qu'on va en voyage, à chaque fois j'ai envie d'un aéonium rouge et quand j'en vois, j'ose pas le faire. Et du coup je l'ai fait. Je sais que ça se fait pas. C'est pas bien. Et du coup j'ai un aéonium rouge. Et c'est pas fini. Et le surlendemain de l'aéonium rouge, j'ai vu des aéoniums dont la rosette de feuilles, en fait elle pouvait faire cette largeur là. Tu vois, et c'était presque plat, tout vert. Et je me suis dit, celui-là, je ne l'ai pas, c'est dommage. Tu vois. Et c'est pas le même que celui-là. Parce que celui-là, dans mes souvenirs,
Un corse sur le pied mer qui était pareil, pas un grain de forme non plus. En fait, le tronc était vachement dénudé. Bon, je pense que ça, c'est propre aux Ionium. Et en fait, il n'y avait que des bouquets de feuilles à l'extrémité des tiges, tu vois. Mais genre, c'était vraiment tellement compacté, tellement que la plante, elle était en PLS, que c'était pas très très beau. Genre là, tu vois, l'épaisseur de la tête, tu vois, elle est énorme par rapport au pied-mère que j'avais, bref. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je l'ai pas. Alors là, j'avoue, c'était près de chez une personne. Mais je n'ai pas pété la plante en entier, il faut savoir, j'ai juste pris un morceau d'une pousse qu'il y avait en dessous, donc ça se voyait même pas, en fait, quand tu regardais la plante, ça se voyait clairement pas. Et du coup, c'est cet aéonium-là. On peut voir qu'il a un peu soif. Du coup, voilà. Ben, y a deux plantes qui sont mortes presque, et ben voilà, j'en ai deux de plus. Alors oui, je sais, je n'incite pas au vol, c'est pas bien. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Bref, j'ai subtilisé deux morceaux d'aéonium. Subtiliser, c'est joliment dit. Sachant que j'ai des aéoniums qui m'attendent chez Clémentine de la part de Nancy. Alors merci encore Nancy si tu vois ça, cette petite vidéo. Voilà, je viens de rentrer. Je vais mettre ces plantes en pot. On pourra le faire ensemble. Je te disais que j'allais checker les plantes un peu plus en détail. Alors peut-être que tu vas pas m'accompagner sur les 140 plantes. Je vais peut-être faire du nettoyage aussi, un petit peu nettoyer les feuilles mortes, etc. Et ce qui est en fait, ce qui m'a un peu saoulé, c'est que pendant que j'étais parti en voyage, donc là où il faisait beau et chaud, d'ailleurs j'ai pris un coup de soleil, étonnant, mais ici en fait il pleuvait, il faisait froid. Donc moi, du fin fond de ma Sardaigne, je me suis dit putain, s'il faut, je vais retrouver les plantes, elles auront grillé avec le froid, elles auront gelé directement. Hein. Voilà. Je vais les retrouver, elles seront en PLS, elles seront mortes, voilà. Je vais retrouver de la salade cuite, tu vois. Mais pas du tout, donc du coup ça me rassure fortement. Et encore une fois, les plantes s'adaptent un petit peu, quoi. Genre là, nous à Toulouse, il a fait des nuits à 13 degrés. 13 degrees ? 13 degrés ? Non mais c'est une blague. Ils sont toujours là, en forme. Enfin, je pense, je les ai pas vus en détail, je te rappelle. S'il faut m'entendre crier et pleurer. Mais je pense pas. Bon, je vais boire un peu de café parce que ça fait longtemps que j'ai pas bu du café à la crème fraîche. Donc je vais mettre ça en pot, je vais checker les plantes, je vais peut-être les arroser, les nettoyer aussi. Je me tâte à couper les feuilles de la Monstera Mendam. En vrai. Parce que ça fait très très moche. Hein. Je suis dégoûté en vrai. C'est ce qui me saoule le plus, tu vois, sur les plantes là en ce moment. Ah, je peux te parler aussi du comment j'ai préparé les plantes pour ma semaine de départ. En fait, je les ai pas forcément préparées. Je ne les prépare jamais. Alors, autant il y en a qui prennent leurs précautions, et c'est très bien. Qui, quelques mois à l'avance, commencent un petit peu moins à les arroser pour les préparer à avoir un petit peu de sécheresse, entre guillemets. Il y en a qui préfèrent mettre du goutte à goutte. Moi, je non. En fait, je me fais pas chier. Alors moi, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui vient les arroser, même si la personne n'y connaît pas forcément. Isabelle, si tu passes par là, merci encore. Isabelle, s'y connaît pas forcément en plantes, tu vois, elle en a 2-3 chez elle, mais c'est tout. À l'intérieur, je parle. Donc du coup, ça me faisait un petit peu... Enfin, à chaque départ, ça me fait stresser. Je me dis, vas-y, est-ce qu'elle va réussir, etc. Au final, c'est pas compliqué. On part qu'une semaine, donc même une semaine sans arrosage, ça va. Ça dépend des conditions climatiques, bien sûr. Genre là, je sais qu'il n'y avait pas besoin de trop les arroser, puisque ben, il a plu. À tel point que le rosier, il a failli avoir trop d'eau. Il a fait bien plus frais. C'était une semaine de canicule. Là, clairement, il serait passé peut-être 3 fois dans la semaine, tu vois. Mais là, il n'y avait pas besoin. Donc franchement, ça m'a rassuré. Le temps m'a un peu inquiété, mais rassuré aussi en même temps, tu vois. Mais sinon, je les prépare pas. J'ai quelqu'un qui vient les arroser, donc ça, j'ai de la chance. On n'a pas tous cette opportunité. Mais sinon, je les prépare pas. Alors bien sûr, avant mon départ, je fais en sorte que les tuteurs soient humides, que les pots soient humides aussi. Alors je les arrose pas forcément pot à pot, mais je mets de l'eau dans le bac. Après, ils boivent par capillarité. Il n'y a pas de souci. Donc logiquement, à mon départ, les tuteurs sont humides, les plantes, elles ont bu. Il n'y a pas besoin d'être là 2 jours après, quoi. Mais c'est le seul truc que je fais. Je sais pas si toi, tu as des techniques quand tu pars en vacances. Est-ce que quelqu'un vient arroser? Est-ce que tu prends des précautions spécifiques? N'hésite pas à le marquer en commentaire. Et voilà, ça pourra m'aider moi et puis aider les gens qui liront les commentaires. S'il y en a qui lisent les commentaires, je ne sais pas ça. Allez, on va mettre les bébés en pot. Est-ce que j'ai des replantes grasses? Bien sûr que non. Et je me tâtais à faire une jardinière d'aéonium. Bon, je n'ai que 3, mais... pour le moment, je sais pas comment je vais faire, ou pour le moment je les mets un petit pot et du terreau simplement plein d'intérieur, ça va le faire, je pense.
J'ai pas de... Ah si, j'ai de la perlite. Ah, mais t'es roux et perlite, c'est très bien. Et toi, t'es parti? Ah, et tu veux peut-être savoir comment j'ai fait pour pas me faire choper à l'aéroport avec ces deux petits morceaux sur moi? Je peux te dire que j'emmenais pas l'argent. En fait, faut toujours prévoir un pantalon large ou un pull avec des poches au milieu là. Toujours prévoir ça en vacances, surtout quand t'es plantes addict et que tu penses ramener des petits morceaux comme ça. Alors t'en prends pas non plus 840, tu vois, t'en prends un ou deux. Ça se fait pas, je répète, hein, je ne l'incite absolument pas au vol. Mais du coup, comme ça, tu le mets dans la poche au milieu là ou dans les poches ici. Moi, j'avais prévu, tu vois, un pantalon large et un pull avec la poche au milieu. Ah, ni vu ni connu. Nickel. Franchement, c'est passé crème. Comme papa dans la main, tu vois. C'était nickel. Petite technique de... d'enfoiré. Alors, terreau et perlite. Alors, si bien évidemment, tu as du terreau spécial cactus plante grasse, c'est le mieux pour les aéoniums. Mais moi, comme tu le sais, je suis toujours la dèche, j'en ai pas. Et encore, il y a une variété que j'aurais pu avoir en plus. Hein. Mais je me suis dit, oh, stop, et au bout d'un moment, je vais arrêter d'abuser. On verra ça au prochain voyage. Je suis vraiment pas quelqu'un de bien. Hein. Non, en vrai, je sais que ça se fait pas. J'en rigole. J'aimerais pas qu'on me le fasse. Mais ça, je te jure, à chaque voyage que je fais, à chaque fois, je me dis, putain, je veux trop un aéonium vert, rouge, je veux trop un aéonium rouge, et je te jure que quand on va dans les petites villes, etc., qu'on visite, qu'on est censé regarder les beaux monuments, les églises, les châteaux forts, les trucs du genre, ben moi, je regarde quoi? Les plantes à voler. Donc, au bout d'un moment, tant que j'ai pas assouvi mon envie répressible, c'est pas, voilà, je sais, c'est pas une excuse, c'est pas bien, je sais, mais personne n'est parfait. Et je sais, ça peut donner une mauvaise image de moi. Mais d'après ce que j'ai pu voir dans les messages, les commentaires, etc., je suis loin d'être le seul. Si encore j'étais un enfoiré, tu vois, à éclater le pied-mer, à faire ça de manière dégueulasse, et, tu vois, c'est... Vous pourriez m'insulter. Or là, les plantes, elles étaient en piteux état déjà de 1. De 2, elles sont jamais arrosées. Même si un aéonium n'a pas forcément besoin de beaucoup d'eau, mais un minimum, tu vois. Enfin bref, c'est peut-être des excuses que je me trouve et c'est pas bien, je le répète encore une fois, mais après j'ai tué personne, hein, au bout d'un moment. Faut faire ça propre, et voilà. Ah oui, j'aurais pu demander aux gens, hein, effectivement, mais je savais pas à qui ça appartenait, c'est en plein jour. Va parler italien, je sais pas parler italien en plus. Toi, je vais te remettre un peu de terreau parce que là j'ai pas trop confiance hein, dans ta stabilité. Et en plus, il y a une autre variété d'aéonium rouge que j'aurais pu avoir qui était bien plus foncée. Et j'ai remarqué, alors je ne sais pas si c'est la même variété et que la personne allait cultiver différemment, mais j'ai vu des aéoniums avec la touffe de feuilles vraiment très très serrée, très petite sur la fin des tiges. Et puis j'en ai vu avec les feuilles bien plus longues et tu sais, avec la touffe bien plus ouverte. La touffe ouverte. Avec la rosette de feuilles bien plus ouverte. C'est des variétés différentes, je pense. Hein. Bon, vu qu'ils ont manqué cruellement d'eau, je vais les arroser sur le champ. Je peux pas arroser parce qu'ils ont coupé l'eau. Oh, j'ai peut-être de l'eau de pluie qui a été récupérée à temps. Bon, ben j'ai pas d'eau, je les arroserai après si j'y pense. Mais je pense que oui. Si Angélique du compte Elflike, coucou si tu passes par là déjà, quand même. Je m'excuse, mais je crois qu'une des boutures que tu m'as généreusement envoyées, je crois qu'elle nous a dit adieu. Je vais essayer de la sauver, je l'ai mis en saigne. Tu m'avais dit que je pouvais les mettre en eau, donc c'est ce que j'avais fait. Mais il n'y avait peut-être pas assez de lumière. Alors du coup, là, je l'ai mis au chaud à la saigne. Quoi. On va voir. Hein. N'en veux pas, tu savais. Du coup, hop là, deux plantes gratuites de plus. Attends, toi aussi, tu as besoin d'être arrosé. Viens là, Kiki. J'ai dit, viens là, Kiki, connasse. Ceux qui ont un ostro cylindropunti, attendez, ça. Je l'ai volé encore, ça aussi. Ça, ça se ramifie pas tout seul. Si jamais tu en as un, est-ce que tu peux me dire, est-ce qu'il faut que je le taille pour qu'il se ramifie ou pas? Ça fait dégueulasse si je le taille, ça va faire vilain quoi. Je sais pas si dans les aéoniums que tu m'as gentiment envoyé, et merci encore vraiment, je sais pas si tu as mis le nom ou pas. Alors si jamais, est-ce que tu pourras m'envoyer la liste par commentaire des aéoniums ou pas? Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Schwarzkopf, c'est quand même un comble pour quelqu'un qui perd les cheveux, hein? T'en conviendras. Mais si jamais, est-ce que tu pourras me les noter si jamais ça n'avait pas marqué sur le post, s'il te plaît. Merci beaucoup.
D'accord. Et bien maintenant, on va s'occuper des plantes together, you know? Mm-hmm. Here? Est-ce que. Bon, je vais devoir couper au moins une feuille de la Monstera, c'est sûr et certain. Puisqu'elle a brûlé. Oh, putain, j'ai encore les nerfs. Elle a brûlé et elle est en train de devenir marron dégueulasse, quoi. Ah, peut-être deux? Ah non, deux. Je vais couper deux feuilles. Ça me fait mal au cul, ça. Je vais chercher le sécateur, j'arrive. Bon, mon amour, je suis désolé. Mais je vais devoir te couper des feuilles. Par quoi t'as brûlé? Oui! J'ai eu peur, j'ai cru que mon. Spatifilum avait une fleur. Mon lieu, mais quelle bouge là. Pourquoi avoir ce genre d'idée? Complètement con d'avoir un spatifilum en fleur, c'est comme. C'est une utopie. Attends. Hop là. Bon, je cherche la poubelle, j'arrive parce que ça va me saouler, sinon voilà, j'ai pas de patience. Allez, super, t'es un peu plus propre maintenant, Kiki. Et oui, sublime. Allez, Monstera. Attends, d'abord ça. Alors, la Calathea, je l'avais, comment dire, totalement délaissée. Et je m'en étais occupé, genre 2-3 jours avant le départ, je crois. Donc, qu'est-ce que je dis pas 2-3 jours. Je l'avais arrosée et tout. Bon, peut-être une semaine avant le départ. Elle était en PLS. Le truc vraiment, c'était inhumain de lui avoir fait ça. Et en fait, je me suis dit, bah, vas-y, je la mets derrière la Monstera avec les feuilles grosses de la Monstera, ça va lui couper le soleil direct et tout. Ah ben nickel. Aucun problème. Elle, ça va. Allez, la grosse mémère. Bon, tu vois ce genre de feuilles-là? Oui, on le voit. Tu vois, là, il y a une brûlure ici. Bon, s'il n'y a que ça, je vais la laisser. Par contre, ce qui me dérange fortement, c'est cette brûlure-là. Tu vois, je trouve ça pas beau du tout. Et je pourrais lui laisser, mais non. Je suis désolé, mon amour. Ça me fait trop mal au cœur, en vrai, je te jure. J'ai larmes aux yeux de couper une feuille de Monstera. Hypersensibilité à la con. Oh, elle aussi, je lui enlève. Hein. Regarde, c'est brûlé ici, là. Bah. Pareil. Voilà, je lui ai enlevé deux feuilles. Ce sera le maximum pour cette année. Oh, je peux pas me couper plus. Si, il faut que je m'occupe absolument du bégonia là, parce que le Old Morgue, il avait commencé à souffrir. Sublime. Je vais juste lui enlever les feuilles qui ont brûlé. Si quelqu'un sait la couleur de la fleur du bégonia Old Morgue, ce serait bien sympa de me le dire. Parce que je l'ai toujours pas vu fleurir, ce feignant là. Hein. Ouais, tu vois ce genre de brûlure là. Ça, c'est une brûlure qui fait chier. En vrai, je crois que j'ai rien de bien plus à faire dans les plantes. Je suis. Toi aussi, avoue, en tant que plante addict, quand tu dois quitter tes bébés pendant une semaine ou plus, ou peut-être moins, t'arrêtes pas d'y penser tous les jours, avoue. Tu te demandes ouais, dans quel état je vais les retrouver, est-ce qu'elle va vivre, est-ce qu'elle va survivre, est-ce qu'elle va mourir, est-ce qu'elle va fleurir, est-ce que sa feuille va bien se développer à celle-là, tu vois. Je suis sûr que tu psychotes comme moi. Après, tu le dis pas avec qui. Enfin, quand t'es en voyage avec quelqu'un, tu sais, tu le dis pas pour pas faire chier la deuxième personne, mais. Je suis sûr que tu y penses. Comme je te disais, la Monstera, elle a fait une feuille. Attends. Regarde-moi cette beauté là. Ah, tu vois pas. Sublime. Sublime. Voilà. Le Sengo là-bas. Nouvelle feuille aussi. Enfin, je vais mettre un troisième tuteur à lui. Non, mais là, je suis au bout de ma vie, par contre. Je suis au bout de ma culotte. C'est à être la première plante chez moi à avoir trois tuteurs. Non, mais quand même, les gars, faut... Ouais, bon. Ça va, c'était une petite feuille. Attends, parce que là, il faut que je regarde si ma esqueleto va bien. Elle va super bien, ma fifille. Je suis trop content. Je t'embarque avec moi pour la suite. Ouais. Ah, j'ai eu peur. Ah, non, ça a commencé. Oh putain, Kiki. Bon. Alors, attends, un peu de panique, un peu de panique. Un tout petit peu de panique. Mon Amidrium Medium Silver a commencé à brûler. Merde, cette feuille-là. Sur les côtés. Bon, en même temps, il est sec. Bon. Des petites feuilles sèches comme ça.
Ben, ils avaient commencé à sécher avant que je parte en vacances de toute manière. Franchement, je suis trop fan. Encore une fois, on dit quoi? Merci Isa. Tu sais que tu commences à avoir beaucoup de plantes quand tu es obligé de bouger toutes les feuilles pour voir au milieu. Là, c'est que ça commence à puer du cucu quand même. Ok, donc là j'ai une feuille enlevée de la Monstera d'Anthony Variegata. Hey, salut toi. Et plus de couleurs s'il te plaît par contre. Hein. Allez, on se bouge la chlorophylle mon cœur, d'accord? Alors par contre, j'ai plein de nouvelles feuilles. Hein. Mon Syngonium albo, je sais pas si on peut l'avoir la feuille là. Je vais essayer de zoomer. Nickel. En fait, je crois qu'elles vivent leur meilleure vie sans moi, les plantes. Faut que je me remette en question, là. Oh merde, pourquoi elle commence à brûler? Oh non, kékinette. Ah non, c'est bon. Attends, faut que je m'envoie en l'air pour voir si tout va bien. Non, mais je vais couper ce passage, bien évidemment, sinon tu vas voir mon boule. Alors bébé, par contre, en fait, il faut pas pousser en perpendiculaire. Mais qu'est-ce que c'est que ça te met? Oh! Ah ben d'accord, super. Alors non, mais franchement, les plantes, des fois, elles sont bêtes. Hein. Je t'explique. Mon Syngonium Trilif Wonder, il est un peu comme... pas le Trilif Wonder, le Angustatum, pardon. Pourquoi? En fait, tu sais, il y a le tuteur, voilà. Il y a la plante qui est là. Et en fait, je l'avais taillé ici. Parce qu'en fait, elle dépassait, c'était pas forcément joli. Je voulais faire une bouture pour étoffer le pied mère. Bref. Du coup, je l'ai taillé, elle arrivait là. Et je l'ai mis, tu sais, genre comme une agrafe. Et je l'ai bloqué là. Il n'y a pas une pousse qui a poussé ici, là, au milieu? Mais du coup, qui s'est bloqué? S'il te plaît. Et. T'aurais pu pousser au noir en dessous, non? Bon. Là, tout le monde a de l'eau. Mais tout le monde est très humide. C'est mon titre. Mais c'est super tout ça. Franchement, Isa, championne. Mon poteau Sparvel Queen. On peut voir qu'il y a des feuilles qui sont marron un petit peu. C'est pas la totalité, donc ça va. J'enlève ce qui est mort. Ça est mort. Ce qui est sec, c'est pas beau déjà. Et ça lui sert à rien de garder quelque chose qui est brûlé. Par contre, les pots, ils sont bien lourds. Hein. Oula! Ça c'est super, tout va bien, nickel. Ah! Kékinette! Oh ben alors, kékinette pâtée là! Oh merde! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Je l'ai coupé le morceau! Oh! Alors, petit vent d'inquiétude pour ma Maranta Silverband. Ah, je peux te dire que là, elle bande plus trop. Hein. Ça c'est moi, j'avais trop arrosé je pense avant de partir. Je vais essayer de mettre ça dans l'eau. Hein. Après le pied mère il est pas mort, hein, il y en a encore donc c'est bon. Ah mais elle aussi? Ah ben oui, ben je comprends. Regarde. Bon, j'ai arrêté de foutre de l'eau partout mais... Beaucoup trop d'eau. Ça c'est moi. Je l'avais peut-être mis trop avant de partir. Tu vois, on fait encore des erreurs des fois. Voilà. Je vais sortir les plantes qu'il y a. Ah ouais, trop d'eau là. Thibaut, franchement, là, t'as déconné. Si là, ça c'est moi, ça c'est pas Isa, c'est sûr. Ah, en vrai, j'ai foutu de l'eau partout, quoi. Attends, je vais foutre ça quelque part, mais où, je sais pas. J'aurais voulu mettre le pot d'eau qui restait dans le bac ben pour les aéoniums, mais en fait le bac est assez souple, donc du coup quand j'ai voulu prendre la planche, en fait elle s'est pliée, du coup tout au long elle est tombée. Du coup j'ai pas pu arriver jusqu'aux aéoniums. Ok. Bon, faudrait que j'arrose l'amidrium. Je vais le mettre avec les aéoniums d'ailleurs. Et ben je crois qu'en fait c'est tout ce qu'il fallait que je fasse. Ah sinon lui. Oh merde, mon Diefenbachia, il a brûlé là. Mais ça, c'était avant que je parte. Bon, ça, c'est pas très très grave. Bon, Bégonia Mégadote. Là, c'est un peu tendax. Alors, la floraison a commencé à se terminer aussi, c'est normal, là, depuis le temps. Donc, on peut voir que, tu vois, le soleil a continué
sur le cheminement, hein. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, il pousse. Il continue la floraison. Magnifique, ici. Donc, voilà, rien à signaler. Lui, depuis la vidéo, il était reparti. En fait, là, il ressèche, en fait. Mais en fait, il a soif. Donc, je vais l'arroser. Pas de panique. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, il y a des chenilles là-dedans. Elle, je l'avais mise dehors, enfin, dehors. En dehors de là où elle était d'habitude. D'habitude, elle est là. Tu vois, et je l'ai enlevé, je me suis dit, fallait que je l'arrose et tout, donc je l'ai arrosé et je l'ai laissé là. Et en fait, il y a la pluie qui est tombée dessus, etc. Et en fait, ça va, elle pousse. Mais c'est pas elle dont je voulais te parler. Ça, c'est le bégonia. Enfin, c'était le bégonia Cerati Petala. C'est un bégonia qui est à la base magnifique. Hein. Et au moins j'ai trop pris la confiance, je me suis dit ça va, il repousse, je le brumise, il va bien. Ah non. Et là, c'est la monstera de ma pote. Qu'est-ce qu'elle a pas aimé? Je ne sais pas du tout. Je vais lui couper ce qui est presque mort, comme feuille, hein, parce que bon, il y en a qui sont dégueulasses. Mais ça va repartir sans aucun problème. Je crois que c'est une lagnata celle-là. C'est une que je n'ai pas. Prendre un morceau si jamais. Bon. Donc elle, ce qu'elle a pas aimé, je pense, c'est que elle se retrouve, alors il y a peut-être eu un peu de soleil direct dessus, mais bon, ça m'étonnerait. Mais surtout que les changements de température, je pense qu'elle a pas aimé. Elle aurait été avec les autres à la rigueur au milieu, tu sais, des autres, ça fait un microclimat. Elle aurait moins pris cher, je pense. Là, j'avoue que elle va se retaper, c'est pas le problème, parce que regarde au pied. Ah. Mais voilà, on l'a connu plus en forme. Oui, je vais me prendre le piquet dans le pif. C'était pour moi. Donc, toujours une position des plus agréables à regarder. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Pourquoi c'est mouillé là? Bon, c'est le. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout à t'abonner. On remercie encore tous Isa. Merci Isabelle. Et puis, je te dis à mercredi prochain pour la prochaine vidéo à 17h. Reste connecté et abonne-toi, je compte sur toi. Ciao, la bise à Denise. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.